Donc là, ce que je vous conseille, ouvrez votre Explorer. Internet Explorer, mais Windows Explorer, pour sortir les C et les racines et tout ça. Donc allez-y sur votre Windows Explorer, mettez-vous sur le dossier, le répertoire qu'on avait créé, World Ocean Atlas. C'est bon? Vous avez retrouvé votre World Ocean Atlas? Hein? Oui, mais tu as écrit, tu suis après. Oh. Quand les gens vont faire un petit exercice, tu as le temps de faire un retour en arrière pour mettre les coordonnées de la Guinée. C'est bon? Hein? WOA. Vous l'aviez créé, non? Vous avez créé? Donc, créez maintenant WOA. Non, non, sur la même racine. Là, vous avez WOA. Cliquez droit, créez un répertoire WOD. OA. Créez un nouveau répertoire. Il n'y a pas de câble. Bon, attends, il va venir. Vous avez un câble, non? Oui, mais ça... Ça ne donne pas. Bon, attends, le temps que les gens font tout avant. C'est bon? Donc là, vous mettez les coordonnées de la Guinée. En bas, dans le deuxième carré, là-bas. Ça, c'est longitude. Ensuite, vous passez à latitude. Si c'est bon, vous créez sur Restricted Area. Si c'est confirmé sur la page qui suit, vous mettez Stop Selecting. Vous avez créé votre répertoire? Laissez ça là-bas. Ouvrez un autre dossier à partir de la racine, ce qui vous permet d'ouvrir deux Windows Explorer que vous divisez en deux dans l'écran. Ce que veut dire que vous allez avoir deux Windows Explorer ouverts. Est-ce que vous avez compris? Non, ouvrez, allez sur un autre dossier, par exemple sur le bureau, si vous avez un dossier, ouvrez-le. Donc vous séparez, vous avez deux Windows Explorer à part. Vous les diminuez. Diminuez le premier. Il ne faut pas utiliser tout l'écran. Diminuez-le par l'icône du milieu. Maintenant, ouvrez un autre dossier, n'importe lequel, pas ici, sur la racine. Vous allez sur, par exemple, votre bureau, vous ouvrez. Donc, ça va vous faire deux Explorer, Windows Explorer. C'est bon? Donc, sur un, vous êtes sur le VOA. Sur l'autre, vous êtes sur normal. Donc, sur le deuxième qu'on a créé, allez à téléchargement. Si vous allez à téléchargement, votre fichier 0 mètre va être là-bas. Il est là-bas? Bon, vous le traînez, vous le déplacez sur VOA. Donc, en souvenir, on se dit qu'on va garder nos fichiers dans le bon endroit. Le sous-dossier téléchargement n'est pas un endroit pour garder ces fichiers. C'est bon? On revient sur la page Internet. On télécharge maintenant successivement de 10 à 300 mètres. Ouais, télécharger les données de 10 à 300 mètres.
Voilà. Vous téléchargez maintenant les données de 10. Vous avez, à chaque fois, vous retrouvez votre téléchargement dans la zone téléchargement. Vous le ramenez dans le dossier WOA. Oui, vous aurez autant de fichiers que de nouveaux, que de niveaux. Ce sont des fichiers séparés. À chaque fois, il vous donnera le nom de la profondeur. C'est-à-dire que le fichier que vous avez téléchargé va s'appeler 75 mètres. Téléchargez comme ça. Après, on verra le nom. Je viendrai sur le nom. Laissez-les comme ça. Vous les prenez de la partie téléchargement, vous les ramenez à VOA. Jusqu'à 300. Donc, si vous avez vos coordonnées nationales, vous téléchargez, vous cliquez sur l'icône bleue là. Ouais. Maintenant, quand vous cliquez, ça télécharge. C'est pour cela que je vous ai dit d'ouvrir deux zones d'Explorer pour voir la partie téléchargement et là, votre dossier WOA. Et à chaque fois que ça télécharge, vous le mettez dans de téléchargement, vous le mettez à WOA. Oui. Si vous n'avez pas, il faut créer là où vous avez WOD, créer un nouveau répertoire WOA. C'est bon? On a tous nos fichiers? C'est bon? Maintenant, vous revenez sur votre répertoire WOA. Vous avez tous vos fichiers de 0 à 300 mètres. Donc, vous mettez sur le premier fichier 0 mètres. Donc, vous l'appelez. Là, si vous êtes... Si vous voulez, comme je vous ai dit, vous faites un clic droit sur le fichier pour renommer, ou bien vous cliquez une fois, vous revenez, vous cliquez une deuxième fois, ça s'ouvre. Vous pouvez taper directement dedans. Donc, ne touchez pas la profondeur. Commencez par le début. Vous pouvez mettre, par exemple, oxygène dissous, ou bien vous commencez par le nom de votre pays, comme chacun a pris. Parce que là, je suis dans mon pays, je peux ne pas mettre le nom de mon pays. Hein? Même si quelque part vous avez commencé par Liberia, mettez le nom de votre pays pour ceux qui ont eu leurs coordonnées. Mettez Guinée ou Cameroun en abrégé, CAM, Guinée, GUI. Oxygène dissous, comme je l'ai écrit ici, oxygène-dissous-World Ocean Atlas,
Et la profondeur, vous n'y touchez pas. C'est bon? Si vous avez créé un premier fichier, si vous avez donné le bon nom, par exemple, à la surface, vous avez jusqu'à 300 mètres. Vous n'avez pas besoin de répéter à chaque fois. Vous cliquez encore deux fois sur ce nom-là que vous avez donné pour la surface et vous sélectionnez la partie, parce que ça va être le même nom, c'est la profondeur qui va changer. Est-ce que vous avez compris? Ça, c'est... Can you give me any name, any file name, un nom d'un fichier quelconque sur la racine? Ouais, regarde, je vais donner un exemple quoi. Sur la racine, sur le, un nom n'importe lequel, c'est juste un exemple quoi. Là, par exemple comme là. Là c'est bon. Là c'est bon. Là c'est bon. Je vois. Regardez ici. Si j'avais 7 fichiers de noms où il y avait le World Ocean 2013, 10 mètres, 20 mètres, 0 mètres, 14 mètres. Si je viens sur le fichier là, je suis là-dessus une fois. Je clique une deuxième fois, elle me sort ça. Donc je copie la partie du nom qui m'intéresse. Par exemple, Anis 4, données, je m'arrête là-bas. Quand je copie ça, je reviens sur 5. Sur, ça va être 20 mètres. Je fais la même chose. Je sélectionne la partie à enlever, sauf la profondeur. Je mets paste, je mets coller. C'est beaucoup plus rapide que de retaper tous ces noms kilométriques-là. C'est pour cela qu'on vous a dit. Vous pouvez avoir des noms kilométriques, mais vous n'avez pas besoin de les répéter à taper un nom de XX. Vous cliquez une fois, deux fois, vous sélectionnez le nom, vous laissez la profondeur. Et vous revenez maintenant sur vos différentes profondeurs. Vous faites la même démarche. Vous collez la partie qui vous intéresse. Et vous ne touchez pas aux profondeurs. C'est bon? Donc, sur le... Donc sur votre WOA, vous allez avoir surface 10, 20, jusqu'à 300 mètres que vous allez appeler le nom de pays, Oxygène dissous, World Ocean Atlas, ensuite la profondeur. Attends. Voilà, il faut éviter de truquer sur les câbles là. Voilà. C'est bon?
Donc, on a commencé à créer notre première collection de données qu'on est allé chercher dans le World Ocean Atlas. Maintenant, on va essayer de chercher une autre collection de données sur le World Ocean Data. La dernière version, c'est le World Ocean Data 2013. C'est bon, je passe à autre chose. Sauvegardez, vous avez une collection de données jusqu'à 300 mètres.